Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Princess Peachy Showtime. Alors ceci est un jeu qui vient de sortir aujourd'hui même. Et on va regarder la cinématique les amis. Théâtre de l'étincelle, découvrez un monde d'aventure, de rêve et de mystère. Pas comme si c'est la première fois que tu vois quelque chose comme ça, t'es une princesse, voyons donc. Ta maison, c'est quelque chose comme ça en plus, quand j'y pense. Ah, ok, le jeu commence. Princess Peach, nous sommes enfin arrivés. Je vais aller chercher des billets, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Allez explorer le foyer. En attendant, je vous préviendrai quand j'aurai les billets. Ok, arigato gozaimasu, à tout à l'heure mon petit pépito. Alors ceci est un jeu qui est sorti aujourd'hui. Et le truc c'est que j'ai regardé zéro bande annonce de ceci. Je sais même pas si c'est un jeu d'action, d'aventure, des RPG, I don't know bro. Tous les théâtres rêvent de jouer dans une pièce. Un jour ce sera notre tour. Ah, avec les jeux de Mario, ça peut être de n'importe quoi, hein? Même des jeux de course. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? La nouvelle pièce de l'épice va bientôt commencer. Merci de patienter. Ok, j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai trop hâte. Ouais, ils ont hâte de faire des trucs que moi je sais même pas qu'est-ce qui se passe, hein. Donc ici, est-ce qu'il y a de quoi qui se passe? Où est le magasin? Laissez-moi vous guider. L'étincelliste de cette pièce est excellente. Une étincelle pareille, ça ne s'invente pas. Les étincellistes sont nos stars. C'est eux qui insufflent leur vie aux pièces. Ok, alrighty boy. Monsieur Speech, j'ai des billets. J'espère que t'as payé avec ta carte de crédit et pas la mienne, mon frère. Et il est où? Ah, ok, il est là. Je croyais qu'il avait disparu. Voilà votre billet. Regardez tout ce monde. Les pièces doivent être remarquables. Oh, ok. On va regarder une petite pièce de théâtre comme une vraie princesse, comme une vraie bourgeoise. On dirait que notre pièce va bientôt commencer. Nous ferons bien d'aller nous installer. C'était ça qui a été écrit? Est-ce que ça fait partie de la pièce? Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui. C'est une surprise pour vous. Je m'appelle Syrah et avec ma troupe, la Crabe Magnifique, je vous réserve un spectacle. Quelque chose. Ma couronne de 2 dollars à Dollarama, non! Bon ben, ce Todd y est devenu riche là. Oh, tout le jeu va se passer là-dedans. C'est comme... Ah, Princess Peach Showtime! C'est comme Luigi's Mansion. Est-ce que ça se passe dans un seul endroit, vous voyez? Non? Vous voyez? Ouais. Tu veux savoir quel est le problème? Les vilains masqués très bizarres sont en train de mettre notre pièce sans dessus dessous. On ne pourra pas jouer tant qu'ils seront là. Oh là là, je sais vraiment pas quoi faire. Pardon, tu es simplement venu voir des pièces, mais finalement, tu assistes à une catastrophe. Il faut que je rétablisse la situation, mais je crois que je suis incapable de la faire seule. Je ne vais pas te forcer la main, mais ton aide nous serait inestimable. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ouais, le dude, il a vu que je suis une princesse et que j'ai du cash. Oh, c'est vrai, tu vas nous aider. Avec ma carte de crédit. Merci, non, vraiment, j'insiste. C'est génial que tu acceptes. Alright, on va faire quelques appels, ils vont arranger le tout. Je m'appelle Stella, je suis une fée de l'étincelle et je veille sur ce théâtre. Et toi, tu t'appelles Peach? Très joli nom, un prénom. Grâce au pouvoir de l'étincelle, nous allons reprendre le contrôle de la pièce et le spectacle pourra continuer. Les vilains masqués dont je t'ai parlé étaient dans la pièce de l'épice. Allons-y! Pièce de l'épice? On doit se battre à l'épée? Guys? Hello? Yo, donne-moi une épée comme Cloud de Final Fantasy, s'il te plaît, comme ça je peux me défendre. Le château des ronces. Alors on va voir si le chargement est long. Parce que lorsque je démarrais le jeu, j'ai vu un petit chargement comme ça. Ça a pris une quinzaine de secondes avant que la cinématique se joue. Donc... Ouais, pour l'instant, je peux dire que c'est un petit peu long malheureusement.
J'espère que ça va pas être quelque chose de récurrent, qui va toujours venir à longueur de journée. Ah, je peux pas bouger, non. Voici l'histoire de l'épice, et je sens encore que quelque chose cloche. Oh! Oh non! Quelqu'un est blessé! Ça fait partie de la pièce de théâtre, ça! Ce sont ces vilains masqués qui ont fait ça! Ah! Oui, j'ai compris! J'ai une idée! Nous devrions essayer d'utiliser le pouvoir de l'étincelle! Ah, ça m'intéresse! Power Up! Super Saiyan! Fait quoi? On m'a juste donné un ruban, quoi, what? On a attaché mes cheveux d'Atsen? Et voilà, Peach! Tu peux utiliser l'étincelle à travers ce ruban! Vas-y, utilise l'étincelle sur ce théâtrin pour l'aider! Yes! Ouais, je sais totalement comment le faire! Oh, oh! Wow, je l'ai tapé comme si j'avais une ceinture et puis il s'est rétabli, nice! C'est un des effets de l'étincelle! Elle peut faire le bien des gens et des objets qu'elle touche! Avec ton aide, nous pouvons utiliser l'étincelle pour tout remettre en ordre! Let's go! Let's go! Oh, on est vraiment dans une pièce de théâtre, hein? Bien! On dirait que tout est redevenu normal par ici! Cela dit, on ferait mieux de s'assurer que tout va bien au château. Wow, je vais vous dire, l'intro était un petit peu long, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Blah! Ça marche pas? Et voilà! On dirait qu'il faut encore du carabuge! You wanna fight, brother? Attends, oh, comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je le savais! Ils n'ont aucune chance face au pouvoir de l'étincelle! Je transforme ces bonhommes en cash? Ou bien c'est eux qui drop des cash? Bon, je les ai vus courir, mais on dirait que j'ai pris leur âme, si vous voyez ce que je veux dire. Quand regardez ça, ouh, je vole ton âme, pépito! Et là, ouais, ce sont juste les corps qui bougent et puis il n'y a rien qui se passe avec eux, là. Ils sont vides, leur corps, bien sûr. Je dis n'importe quoi. Il devrait y avoir un raccourci pour aller au château ici, mais où est passé ce raccourci? C'est ce qu'il a dit. Je l'ai passé en s'en posant. Voilà. Wacha! Je suis un génie, regardez ça! Le raccourci est ici! Youpi! On peut continuer maintenant! Nice! Mais c'est une gemme d'étincelle! C'est la preuve de tes efforts remarquables! Ces gemmes contiennent une puissance étincelante! Récupère-en autant que possible! Ok! Wow! Il y en a une dizaine? C'est ce que tu es en train de me dire? Donc, dans chaque pièce de théâtre, il y a 10 étincelles à aller chercher? On peut voir le château d'ici, c'est bien! On s'en approche chez les amis, ton amico! Mais pourquoi il y a tant de racines? C'est ce qu'il a dit? Oh non! Le roi est dans le château! Ah ben pauvre lui, hein! Moi je suis une princesse et puis je suis capable de courir! Lui est papa capable de courir par lui-même? Link! Mon chevalier! Je me sens invincible! Oh wow, je savais pas que c'était légal de faire quelque chose comme ça, man! J'ai vraiment eu peur, merci pour ton aide! Je peux pas y aller? Ok, d'accord, tranquillo! Je sais pas si j'ai le droit d'aller à droite. Ok, j'ai le droit d'aller à droite, mais avant tout, ce que je vais faire, c'est aller à gauche parce que j'ai vu quelque chose de très 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 intéressant. Et c'est... Voilà, perfecto! Alors là, ça c'est le bon chemin? Ou le mauvais chemin? Ces arbres étaient fleuris avant. Ah, j'ai compris le message, frérot. Tu veux que je travaille? Wow! Tu donnes du cash, j'ai compris. Bon, j'en ai manqué à droite, là, mais je suis sûr que je vais en pogner une tonne dans le futur. Ce n'est pas grave. Est-ce que je peux flotter? Non, c'est seulement l'épice était là. Je peux amener un épice? Ici, sur vous? Aucune idée, man. Épice! En attaque! En attaque! Wow! Là, je vais vous dire quelque chose. Ce jeu est très, très, très unique. J'ai jamais vu un jeu comme ça, man. Hein? What?
Je sais même pas pourquoi j'ai eu ça. Parce que j'ai pété des branches d'arbres? C'est l'étincelle de l'épée Speech. Je crois qu'ensemble, on pourra l'utiliser. Oh, 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 ok. Peach et Peace, je suis Kirby ou quoi? Je peux me transformer en plein de bonhommes bizarres? C'est des Peace! Yeah! Qu'est pas ça? You wanna fight? J'étais entraîné par Link l'Hérisson! Wow! Ok, non, je crois que ça c'est l'un des jeux de Mario les plus bizarres que j'ai jamais joué de ma vie, man! Et j'ai joué à une tonne de jeux de Mario et vous le savez! Son monument de l'épée est épatant. Nice, nice, arigato gozaimasu. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Juste pour plaisir. Ah, je peux pas revenir en arrière. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait un bonhomme qui a dit « Si l'épée était là, il aurait pu nous sauver !» Je suis là, mais je peux pas revenir en arrière. Wow. J'adore ce jeu. C'est un peu bizarre. Yo, je sais vraiment, c'est une scène, hein. Quand, regardez, il y a la lumière qui me suit à longueur de journée. Tu ne feras pas un pas de plus. Oh, mais maman, Shin-Taylor. Attendez, je peux voir les commandes. Ensemble, viens les mouvements de tes ennemis, puis appuie sur B ou A pour esquiver ou contrer. B ou A, ouais, ok, attendez. Ok. Oh, tu parles de ça, bro. J'ai pas d'attaque spéciale. Observe bien les mouvements. Hey, tu viens de me le dire, frère. What the hell? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est moi qui fais ça. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette pause, bro. Oh, what the hell? Ok, attendez, on va faire une contre-attaque. The hell? No way! Bro, vous avez eu ça, même chou, chou, chou. Tu peux rien faire sur moi, bro. Je m'appelle Hit. Oh, thank you, thank you. Ah. Oh. Alors, je crois que ça, c'est un jeu d'action. Rappelez au début de la journée, j'étais comme, hey, c'est un jeu d'RPG, un jeu d'aventure. Eh bien, en fait, c'est un jeu d'action. Et là, je peux faire quelque chose, c'est ça? Regardez ça. Oui, attends, commande. Si tu trouves un lieu intéressant, appuie sur ZL ou ZR pour prendre la pause. Oh. C'est un passage secret? Je suis venu dans le passage secret juste pour me faire invaser. Juste pour subir une invasion. Des fois, je me demande ce que je suis en train de dire, les amis. Mais pendant ça, j'ai manqué aucune étoile. Wow. Et là, si je vais partir, il faut faire la pause? Victory. Comment le jeu marche? Oh boy. Ok. Arigato gozaimasu, c'est Pepito. Le roi, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, Blippis, à l'aide, sauve notre roi. Le roi est en danger, dépêchons-nous. Ouais, il est juste à côté, mais moi je pars en vacances. Ciao, ciao. Et c'est moi ou bien cette pièce de théâtre est gigantesque depuis tout à l'heure? Je m'en vais à droite, là. Et ça s'arrête jamais. Jamais vu une pièce de théâtre aussi cool que ça. No way. Je sais pas ce que t'as essayé de faire, brother, mais ça fait pour toi, Pepito. Non, maintenant! Tu fais pas le poids, bro! Et c'est quoi cette cage? Ouah! J'essaie de faire une contre-attaque! Oh! Okay, attendez! J'ai pas le bon timing! Ok, vous savez quoi? Guys! Je me suis fait détruire! Le premier boss! Oh, tu vois 10$ de Princess Peach, really? Non, mais le truc, c'est que j'ai essayé de faire des esquives, comme en attaquant à la dernière seconde, ça n'a pas marché. J'ai essayé de sauter de l'attaquer, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Regardez, c'est ça que j'ai essayé de faire avec notre bonhomme. Attaquer à la dernière seconde pour faire un esquive comme ça et faire papa. Ça a juste pas marché. Je crois que je vais sauter. Je vais sauter sur son marteau. Ouais. Oh! Je suis à gauche là. Ok, regardez ça. Hein? Ok, ben ça, il shot sur son, marteau, ça marche pas trop. Et non, vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux pas sauter en arrière de lui non plus. Ok, ça devient compliqué les poteaux. Come on! Appuie sur A pour sauter et esquiver les attaques ennemies. J'ai remarqué ça, brother! Ah, oh, comme ça! Ok, fallait faire ça au bon moment aussi! Oh mon dieu, man! What the hell? Je m'attendais pas à ça! Ok, c'est bon. Yo, go! Les pigeons là, à l'attaque! Je croyais que je pouvais attaquer les bonhommes en haut, mais eux ils sont en train de troll, man! Attends. Pochon! Je crois qu'eux ils viennent à la télé, ça sert à rien de les attaquer à longueur de journée. Wow. Non, c'est moi ou bien il y en a une tonne? Oh, what the hell? Je voulais pas descendre pour être honnête avec vous! Attendez, est-ce qu'il y a un moyen de... Si je fais recommencer, ça fait quoi? Recommencer cette pièce depuis le début? Non! Oh non, 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 non! Ne serait-ce que... Je sais qu'il y a une étoile que j'ai manquée là-bas! Alors je vais devoir rejouer ça! Oh my god! Je voulais pas descendre! Je voulais juste péter la racine! Voilà le roi! Et... Ce château est à nous maintenant! Je vais te montrer qui est le chef ici! Tu ne passeras pas! Gandalf? What the hell, bro? Ah, ok, ok, je croyais que vous alliez venir vers moi et m'attaquer. Tu ne fais pas le pas, Martinez! Wacha! Vous avez ce combo de fou? Attendez. J'ai fait une pause! Parce que je n'ai pas peur de vous! Wacha! Vous ne mourrez jamais, les Martinez! Et j'ai une étoile de manquer. Je le savais, j'aurais pu compléter le niveau à 100%, mais non. Oh boy, ça veut dire que si je vais aller chercher l'étoile, faut que je rejoue à ce niveau pour vrai. Thank you very much. Arigato gozaimasu, Pepito. Yo, est-ce que tu peux me faire revenir dans l'endroit où j'étais tout à l'heure, please? Oh oh. Oh, ok. Ouais, je vais devoir rejouer à ce niveau à un moment donné juste pour aller chercher cette petite étoile parce que je suis sûr à 100%, il y a un niveau secret dans ce jeu où ce qu'il faut aller chercher toutes les étoiles en premier. Ouais, c'est comme ça dans les jeux de Mario, hein. Alors, je suis très content que ce chargement de 10-15 secondes ne se passe que quand on change de niveau seulement. Et chaque niveau, ça prend autour de 15 minutes à compléter, alors c'est pas si pire que ça. C'est un bon compromis. On a réussi! Ensemble, on peut utiliser le pouvoir de l'étincelle! Cela dit, le terme n'est toujours pas revenu à la normale. Ses fils brillants et ce symbole dans le foyer, y serait-il lié? Je suis sûr que les autres pièces ont aussi besoin de notre aide. Allons voir si tu veux bien! Est-ce que je suis payé? On n'a pas parlé des modalités encore, hein? Je suis peut-être une princesse là, mais rien n'est gratuit dans le monde. Tu connais les amulettes cœur, les acteurs qui font leur début ne jurent que par elles. Si tu emportes une, tu obtiendras 3 cœurs supplémentaires. On en a déjà 5, les amis. Alors, est-ce que tu veux une amulette cœur? Oui! Viens me la rendre lorsque tu essaieras de ne plus en avoir besoin. Give me that, bro! Ça n'a pas trop bien marché. Alors, on est rendu à ninjutsu de parchemin de l'eau. Je veux devenir un ninja! Yo, let's go! Kage Bushin no jutsu!
du dessus le parchemin de l'eau. Oh, 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 j'ai déjà hâte de voir ça. Alors, chaque pièce de théâtre contient un costume différent. Il y a combien de pièces de théâtre et combien de pouvoirs? Une vingtaine? Une trentaine? J'espère une cinquantaine. Ce serait nice, là, mais je sais que ça va pas se passer. Peach time! Peach time! Mais là, j'ai pas le pouvoir de l'épée. Toute bonne histoire des ninjas se doit de commencer de blabla dans un village. Oh, on dirait bien que le papa... Yo, je lis quand même assez rapidement. Et puis, les sous-titres et tout, ça se passe rapido presto, hein? Tout droit au manoir du sage. Ça marche pas. Si je fais ça, ça marche pas. Ah, j'ai compris. Le pouvoir du ninjutsu arrive! Oh, 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 oh. On va sûrement trouver un parchemin dans quelques instants. Moi, là, je vais pas manquer les étoiles, vous allez voir. Tu es passé par le puits incroyable. I know, brother, I know. Tu peux pas passer par la force. Personne n'échappe à notre vigilance. Toi, tu n'as rien à faire ici. Ne vous en faites pas, je l'avais vu, je voulais juste voir qu'est-ce qui se passe s'il me voit. Ok, c'est bon. La furtivité, les amis. Mon entraînement n'aurait servi à rien. Allez, let's go! Quoi? Mais qui es-tu au juste? Un ninja qui arrive dans quelques instants, frérot. Tu vas au manoir? Yo, est-ce que je peux m'accroupir et me cacher? C'est comme ça dans les jeux vidéo d'habitude. On dirait que non. Hey, je peux pas y aller? Y a rien à droite pour ceux qui se le demandent. Ici non plus. Et ici, je vois quelque chose. Je peux pas faire de pause? Ah, oui, oui! J'ai fait la pause, ça a marché. Et j'ai vu l'étoile ici. Ah, ah, ah! Incroyable, tu as réussi à entrer. Le ninja de pas la légende, ce serait toi. Mais bien sûr, mon ami! Ici? Wow, oh, je suis quand même impressionné, hein? Chaque pièce de théâtre est unique. Tu es arrivé jusqu'ici, c'est impressionnant. Tu peux peut-être nous aider. Oh, what the hell? Arigato gozaimasu! Let's go! On pourra faire du ninjutsu! On va apprendre le Rasengan Chidori! Let's do this! Je suis prêt, là! Elle n'y est pas? Vous avez ça? Yo, est-ce que je peux lancer les kunai? Oh, regardez ça, je cours comme un vrai ninja! Yo, c'est intéressant ce jeu, pour vrai, je sais pas qu'est-ce qui va s'attendre. Où est-ce qu'il faut aller? Non? Attends, on va voir les commandes vite fait, bien fait. Donnez-moi une seconde. Utilise A pour sauter à la verticale d'une paroi à l'autre. Oh, c'est légal! Oh! Ok, ça c'est quelque chose qu'on peut faire dans les jeux de Mario en temps normal là, mais ici, c'est crazy. What the hell? Yo, retourne-toi. Retourne-toi, frère. Il veut pas se retourner. Guys? Cache-toi dans l'air pour te rapprocher des ennemis puis attaque-les avec B. Oh my god, je l'ai one-shot, tu es un vrai shinobi, bro. Si, je me colle au mur. I like this game. This is crazy, bro. Je n'ai pas peur. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose caché ici? Derrière là? Non? Attends, tous les ninjas de la légende étaient là. Mais c'est moi. Wow! Give it cash, bro! Mais tu es le ninja de la légende! Bien sûr, ce que je veux dire, give it cash, bro! N'oubliez pas d'aller à la banque et de retirer l'argent aussi, hein, j'en ai besoin. Passe un secret. S'il n'y avait pas la lumière ici, là, j'aurais même pas su qu'il y a un passage secret. Oh!
Pas d'étoile, guys. Attendez, si je fais un saut comme ça. J'ai fait un double saut, il y a pas d'étoile. Ok, ça c'est bizarre. Oucha! What the hell? Oh mon dieu! Oh, ça c'est trop intéressant, man. Une chose que je me suis fait avoir. Attendez. Ok, non, ça c'est la zague. C'est bon, on va faire attention à partir de maintenant. On arrête de faire notre débilos amigo. Non, bro, ça va. Cache-toi contre le mur. Non, j'ai pas besoin, bro. Y'a rien de suspect, Martinez. Hey, j'ai essayé d'attaquer. Oh, je me suis trompé de bouton. Mais, oh my god. Hey, attendez, c'est peut-être une bonne chose. Parce que là, j'aurais pu aller à gauche, en haut, sur le toit, non? Vous savez quoi? Je vais me faire avoir. Réveille-toi, Martinez. Je veux revenir. Okay. Hey. Oh non, 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 je me suis trompé. Ok, vous savez quoi? YOLO! Là, cette fois-ci, on va pas faire un autre coup. Regardez ça. Ouah! Ah! Je peux pas le faire! Moi qui croyais que je pouvais le faire! C'est bon! Là, je peux pas péter ça. Ça fait longtemps que j'ai pas pogné... d'étoiles! Oh, god damn it! Perfecto! Il y en a peut-être ici. Attendez. Oh non. Il a fallu beaucoup. Hey, est-ce que je peux passer par là? Je sens que je vais devoir rejouer à ce niveau aussi. Juste pour pogner des étoiles que j'ai foirées. J'en ai foiré deux, je pense. Peut-être même trois. Nice. Où? What the hell is that? Bravo, tu m'as trouvé? C'est une vie ou quoi? Putain, j'ai aucune idée, mec. Ils peuvent pas me repérer, les amis, man. Wow! Yes! J'en ai manqué deux, really? Ne baisse pas ta garde! Ce qu'ils veulent, ce sont des parchemins. Ouais, j'ai remarqué. Wouh! C'est un fake! Ces parchemins sont à moi. Nan! Ah, ça c'est Naruto, man. Il a volé le parchemin à l'épisode 1. Oh là 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 là. Je vais aller le récupérer, Sensei. Ne t'en fais pas. Vous savez quoi? Pour les étoiles, là. Si j'en vois, je vais aller les chercher. Mais je vais pas me forcer à aller les chercher, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, pour l'instant, Peach, là, avance tout seul, hein. Tout ce que je fais, c'est sauter. Ah, j'ai failli mon coup, man. Wow! Voilà! Wow! My god, this is crazy, man. Est-ce que je l'ai... Ok, j'en ai manqué un autre! Really? Oh. Moi qui croyais que ça allait être un jeu d'enfant, de tous les poignets... Non! J'ai failli! Mon coup! Peut-être qu'il fallait détruire des ennemis parfois et j'ai juste pas fait ça. Est-ce que c'est possible? Yo. Give it up, bro! Oh, 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 Kagebunchin no Jutsu est à moi maintenant! What? J'ai utilisé un Jutsu? What? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, les amis, mec? Ah, wow, ok, yo, j'ai failli mon coup, man. It's done. Thank you. Wow. No joke, ce jeu ne niaise pas. Ruban pour Rob. J'avais pas trouvé un ruban dans le premier niveau, si je m'en rappelle bien, hein? Ah, ça, c'est un autre truc à aller chercher. Ok, c'est bon.
30 kilos relaxo. Mais pour vrai, je suis impressionné par ce jeu. C'est beaucoup plus intéressant que ce que je pense. J'ai déjà joué à des jeux de Princess Peach sur la Nintendo DS, je me rappelle. Et c'était pas du tout comme ça. Là, on jouait avec un parapluie et tout, là. Et... Mais bon, en tout cas. Ah ah. Ok. Et je peux aller en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? D'autres niveaux? C'est le sous-sol du théâtre. Il y règne une atmosphère étrange pour l'instant. Pour l'instant? Pourquoi? What the hell? Ok. Quand je termine un monde, il y a quelque chose qui se débloque ici? Une petite récompense? I don't know. Mais je sais qu'il faut terminer le niveau et puis il y a de quoi qui va se passer et qui va se débloquer en gros. Ouais, en gros c'est ça. Mais bon, les temps de chargement sont un petit peu longs, il faut l'avouer. Mais il n'y en a pas autant, alors c'est pas si pire que ça. Le théâtre est vraiment lugubre là. Ah, une cliente. J'ai de merveilleuses robes à te proposer en échange de quelques pièces. Ah ben voilà, c'est ici qu'on peut les utiliser. Et pour toi, cela, j'ai de très jolis rubans. Tu devrais y jeter un œil. Bienvenue. Pour qui es-tu là? Peach. Ah ah. Hey, ça c'est nice. Why not? Donc, acheter. Nice. En plus, vous avez ça? Elle a dit nice. Veux-tu mettre cet article tout de suite? Oui. Yay. Je vais pas regarder les rubans. Parce que là, moi, là... Je m'en fous des petits rubans girl pour l'instant. Ça, c'est que Western en contrée sauvage. Et ici, nous avons le festival des gâteaux. Pourquoi pas devenir un chef? Hein? Ça me tente de manger des gâteaux et puis les niveaux remplis de gâteaux, de cookies, de ci, ça, là. Oh, ça me fait du bien au cœur parce que j'ai envie d'en manger après. Alors, on va voir ça là de quoi. J'ai toujours adoré les niveaux de ce genre dans Mario, là. Oh, ça te donne tellement... De l'eau dans la bouche? C'est ça l'expression? Ah, la bouche? La salive? Ah, whatever. Ça te donne envie de manger, en gros. Hey, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école, alors là, ma tête, là, des fois, il dring-dring. Oh! Ils ont organisé un festival de gâteaux par ici. Les pâtissiers préparent des gâteaux et tout le monde se régale. Yeah! Ça va être génial, j'ai tellement hâte. Ah, moi aussi, j'ai tellement hâte, les brades. Voilà. Je vais prendre ça. Et maintenant que je sais que les pièces sont importantes... Super, il n'y a pas de vilain masqué. Attendons au portail que le festival commence. Ouais, les autres pièces de théâtre sont dans le caca de cheval et ici, tu veux t'amuser. L'égoïsme pur et dur ici, hein? Oh, ça va commencer, c'est trop dur d'attendre. Hé, hé, hé! Allons, tous les gâteaux! Prends-moi mon pâtissier! Méchant! Le gâteau, que va-t-on faire? Ma pitié, arrêtez de voler le gâteau! Je vais me venger, les brothers! Mouachat! Ouvrez le portail pour Tonton Polo, guys! Je vais devenir la meilleure chef au monde, vous allez voir! Nous devons les arrêter! Mouachat! Yo, pour qui se prennent ces mecs-là, man? Wow, lui c'est un héros, il voulait vraiment pas que les gens prennent leur gâteau, hein? Oh boy! Wouah! Il slap! Qu'est-ce qui se passe? Guys? Vous allez ouvrir quelque chose? Par ici? Ah, ok! Moi qui croyais qu'ils allaient ouvrir la porte pour moi, man! Qu'est-ce qui se passe, guys? Tous nos ingrédients! Elles ne sont pas mûres! I got you, boys! Aïe aïe aïe, yo ce ruban là il fait de tout hein. Si seulement j'avais ça, j'aurais fait pousser des fraises et des melons dans ma maison. J'ai bien dit dans ma maison à l'intérieur parce que j'ai envie d'en manger. Ok j'avais pas terminé, my bad. C'est bon. Il pourrait faire du bon pain avec ça. Mais bon, je suis sûr qu'il va faire du gâteau évidemment. Yay. Je dois les aider à faire la cuisine, selon vous? Cette porte mène à la cuisine des pâtissiers! Allons-y!
Yo, c'est cool que dans chaque pièce de théâtre, il y a vraiment une petite histoire qui se joue. Oh non, la chef! Où est la chef? La caca caca caca! Elle est là, les amis! Peach pâtissière, si seulement les gâteaux pouvaient se faire construire de cette façon aussi rapidement, comme si on est dans Fortnite, ça se construit en 2 secondes. Wow, j'ai une jolie pâtissière, vous avez ça? La cloche, le festival va bientôt commencer. Mais on doit avoir plus de bouffe, on n'a pas assez de gâteaux. What do we do, boys? Yeah. Eh ben, chef Peach, vole votre cash. Ouais, c'était pas du tout mon intention pour être honnête avec vous. Bye bye. Oh! Gordon Ramsay, où es-tu? Est-ce qu'on est dans un show télévisé là? Attends, il m'a dit de faire des biscuits, il faut en faire plein avant que le temps s'écoule. Pose les biscuits que tu as finis sur les chariots. Commençons par faire une fournée test. Oh, wow! Ok, ça c'est interesting. Est-ce qu'il y a des trucs cachés? On dirait que non! Hey, guys, est-ce que ça marche? Ok, on va voir les commandes, man. Appuie sur B de manière répétée, puis arrête-toi au bon moment. Ne mélange pas trop la pâte. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Attends. C'était correct? Utilisons le chariot pour les emmener. Oui, très bien, continue. Oh! Wow, rainbow! Est-ce que vous avez ça? Attends, si je spamme le bouton. Ah, ok! C'est pour ça que tu m'as dit de pas trop mélanger. J'ai arrêté de mélanger, guys. What the hell? J'ai fait quelques erreurs, mais c'est pas grave. Attendez. So bad, bro! Je veux que les clients soient satisfaits, comme ça ils reviennent. Dépensez du cash dans ma pâtisserie, les amis! Attendez. J'essaie de faire un petit peu plus, mais j'ai peur de dépasser. Oh non, il me reste seulement 30 secondes. Voilà. Perfecto. C'est ce que je voulais, Martinez. Je vais plus faire mon coup, là. Oh my god. Yo, combo breaker. Mega combo, bro. Oh, ça n'y est pas dans la cabane, hein. Reviens ici, Pepito. Attendez. Oh, ça, c'est dur. Dépêche. Non, il reste encore un peu. La barre était presque remplie. Bon appétit. Je suis pas content. J'allais l'avoir. Jusqu'à j'ai bien appris à faire des biscuits. Grâce à toi, nous en avons assez. Est-ce que tu peux encore nous aider? Oui, je peux encore vous aider. Bien sûr, bien sûr. Emmenez vite tous ces biscuits. Vite! Oh, what the hell? Les gros gâteaux sont cuits, mais... Oh, cette tenue. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Dans cette pièce de théâtre, je suis pas en train de détruire des ennemis. Je suis en train de confectionner des gâteaux. Hein? C'est crazy. Décore les gâteaux comme sur l'image. Oh, what the... Dis-nous quand on peut les emmener. J'ai des lunettes là, mais je suis aveugle. Je vais vous dire, je suis pas boise dans ce genre de truc, hein. What the hell? Attendez, Oh my god! Est-ce que je suis en train de jouer à Mario Party là? Et là, décoration terminée? Mais ces gâteaux sont gigantesques, qui va manger ça? Même des vrais humains pourraient pas manger quelque chose comme ça. Vous savez quoi, je vais pas bouger. J'ai foiré mon coup juste parce que j'ai bougé, les amis. Attendez, non. Ha! 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 Voilà, perfecto!
Damn! Je devrais peut-être m'ouvrir une petite pâtisserie, hein? Holy what? Ok. Là, ça. Faut faire ça dans tous les coins, man. Quand je vois ce gâteau, ça me rappelle le monde spécial dans Mario World. Le monde étoile. Ah, c'est tellement génial, man. Ça, il faut l'avouer, ça a l'air délicieux. Bon, moi, là, tout ce qui est gâteau citron, là... Damn, bro! J'ai foiré mon coup. Oh my god, attendez, je ferme le tout ici. Oh, what the hell? Ok, ça c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je fais de mon mieux, les amis, hein. J'ai réussi mon coup la première fois, la troisième fois, et la quatrième fois, si vous voyez ce que je veux dire. Encore un gâteau, les amis, j'ai 5 secondes, can we do it? On t'abuse, bro! Oh my god. Dieu, je sais pas ce que je suis en train de faire, man. Je vais envoyer le gâteau, je m'en fous. On envoie le gâteau! Il manque une petite partie, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Yes! Regardez pas le gâteau en haut à droite. Comment ça, c'est mon 2 étoiles? Give me the other one, bro! J'avais rempli la barre! Tu as parfaitement décoré ce gâteau. Non, ouais, regarde. Tu m'insultes là. Viens avec nous à la cérémonie d'ouverture. Par ici. Ça va bientôt commencer. Je ne tiens plus à place, c'est presque là. Le biscuit sera la touche finale. Give me that, bro! A toi l'honneur de la poser. Wow. Il n'y a quasiment aucun ennemi dans cette pièce de théâtre. Seulement au début, il y en avait. Ah, what? Oh, le dernier niveau donne seulement 2 étoiles? Est-ce que c'est ça? Wow! J'ai impressionné. Ruban pour robe obtenu. Nice! Ce jeu est vraiment crazy. I like this. Ok, c'est bon. Donc, c'est ça. Chaque niveau prend autour de 15 minutes à terminer. Et là, je crois qu'il reste un niveau pour cet étage. Ouais, hein? Y a pas de niveau. Et après, après l'autre niveau, il y a peut-être un boss à aller détruire? Ouais, regardez ça, il reste encore un niveau et that's it. Ceci, ok, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, Western en contrée sauvage. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire là, mais on dirait que je vais avoir des guns là, je vais faire... Ça va être fun. Est-ce que je peux vraiment tirer sur le monde? Ou bien j'ai seulement un fouet? Oh, j'espère que j'ai pas seulement un fouet. Guys, come on, man. Ok, on va voir ça dans quelques instants. Time. Prenez tous qui a de la valeur, compris? Vous m'avez oublié, je suis une princesse, j'ai de la valeur, guys! Ces bandits sont le chaos, la ville est en danger, il faut qu'on les arrête! Je peux rentrer dans ces maisons pour vrai? Ils ont tout volé! Je ne vais pas rester là sans rien faire, on va tout récupérer! Tu l'as dit, Martinez! Est-ce que je peux faire une pause ici? Je vois de la lumière, mais je crois pas que je peux faire de pause ou quoi que ce soit là, non. Je crois que c'est terminé. En gros, il faut que j'aille chercher des combattants. Let's go! Ils sont partis? Je me sens courageux tout d'un coup. Y a rien ici. Attendez. Nope, y a rien du tout. Même si je fais ça ici.
Bon, d'accord, je venais ici. Bon, aucune raison, j'ai compris, amigo. Guys? Yeah! Yo, ils se sont transformés en Kaioken, est-ce que vous avez vu ça? Ces bandits viennent d'entrer dans le saloon. Au secours, Alan! Ne vous en faites pas. I got you, boys! Il n'y a pas de I got you si je suis cassé, hein? Oh! Les cœurs bonus que j'ai pognés auparavant, je les ai encore! Et je peux pas les tuer? Je peux juste les... ok, ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon. Donc, ici, est-ce que je peux péter ça plus tard, selon vous? Parce que là, j'ai manqué une étoile quelque part. Oh, oh, oh! Ok, je m'attendais pas à ça, guys. Give me the cash, bro! Est-ce que je peux y aller? Ouais. Ah, j'ai manqué une étoile! Sûrement dans l'une des maisons, hein? La deuxième maison, ce qu'il y avait rien. Quasiment ça à 100%. Cette cave est reliée au saloon. Ok. Ça? Oh, 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 oh! I see a power, bro! Et je peux pas aller par là. Ok, compris. Alors par là? Ok, ça marche pas. Par là? Ça marche pas du tout. Alors, il faut faire du parcours ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme ici? Hein? Ok, ok, attendez. Peut-être à droite, il y a de quoi à faire. Il fait tout noir, je ne vois rien. Zut, il faut passer par où déjà? Il y a personne? Je te vois, bro. Tu veux pas sortir m'aider un peu? Hein? Ok. Ah, ça donne du cash. Maintenant, est-ce que c'est correct, guys? Ah, la porte, par là! J'avais oublié de faire quelque chose, ma bad. Je te donne du power, bro! Merci pour ce ruban, Pepito, amigo! Ici, derrière ces tonneaux! Non, c'est bien trop lourd! Wow! Super Power Kaioken! J'ai déjà hâte de voir ma transformation. C'est du ketchup, j'espère, hein? Pas de salsa. Voilà, il est très piquant, on va pas trop bien ensemble. Oh, je m'en vais sans vous, guys! Vous me jetez dans la gueule du loup! Tu te plains pour qui tu vis, ce ranch? Bah, tu vas me distraire, c'est bien. Yo, j'ai mon frère, mais je suis prêt à te fouetter, bro. What the hell? Ok! Il faut bien viser, je pense. What the? Ok, ça va mal mon affaire parce que... On dirait que j'ai vu super mal. À moins que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut juste libérer les petits bonhommes jusqu'à ce qu'il y en ait 5 sur le comptoir, vous voyez? J'ai manqué une étoile! T'es plutôt forte en fait! Sur ce, j'ai un but à emporter moi! Fallait vraiment juste détruire tous les bonhommes qui arrivent. Oh non! J'ai manqué une étoile juste pour ça. De toute façon, j'en rejoins à ce niveau parce que j'ai manqué une étoile au début du niveau. On va pas laisser comme ça, baby. Faut qu'on suive le patron! Il se sont enfuis de justesse! Ce fake cheval est nice. Des fois, je me demande qu'est-ce qui se passe dans ce jeu. Putain, bro! Oh, 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 ok, t'es pas un ennemi, évidemment, hein.
Mais pendant la version, j'ai cru qu'il y avait de quoi. Oh, what? Attendez. Tranquille. What's up? Give me that! Man! J'ai manqué de quoi, man? T-Less! Je sais pas ce que j'ai manqué là, mais bon. Et tu vas nous laisser tranquille, oui? Est-ce qu'il y a moyen de speed boost? Wow! Oh, toi, petit vilain, rentre à la maison! Il va tomber dans un trou qu'il a construit. Un trou qu'il a construit, ça c'est pas, guys. Et puis oui, j'ai vu l'étoile tout à l'heure. Je l'ai manqué, ce n'est pas grave. Oh, le Big Boss est là, man. Oh, oh. Ah, ok, il n'y a rien à droite. Pendant un instant, je suis comme, eh, il y a peut-être un petit secret, on sait jamais, hein. J'aurais jamais cru que tu arriverais si loin. C'est ça qu'il a dit? Bon, très bien. On va une seule fois pour toutes! Oh, ok, ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ah non, ça! Voilà, perfecto, et là? Tu fais ça? On dirait que je joue à Super Mario 64. Parce que je suis Mario et je me bats contre Bowser. Perdais? Oh, je la sentais celle-là. Oh! Papa! Papa! Wesh! Wap! So long, Bowser! Est-ce qu'il va foncer partout comme un fou? Vas-y, petit tour! Easy! Et là, il va faire papa trois fois. Et un autre papa. Ouais, je connais pattern là! C'est un peu pour toi, ma killer! J'ai jamais manqué autant d'étoiles auparavant comme ça. What the hell? Well, shucks. Thank you. J'ai manqué tellement d'étoiles, guys. Ribbon pour Rob obtenu. Nice! Yeah, j'ai beaucoup de cash quand même, hein? À suivre. Il y a une suite à ça? Part 2? Ok. C'est bon, allez, on y va. Donc, selon moi, il y a un boss battle maintenant. On a libéré les 4 pièces de théâtre qui se retrouvent au rez-de-chaussée. Et là, après, vous allez voir au milieu, là, il y a la plateforme qui va briller dans quelques instants. Et là, le boss va apparaître, il va le cas. Tu m'attraperas jamais, gna 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 gna. Et là, je devrais la poursuivre. On joue en 15 FPS ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, là, je m'attendais pas à ça. On y va, guys? Oh. Alors, ces filles étaient connectées à cette porte. C'est peut-être elle qui met toute cette pagaille dans les pièces. C'est bizarre. Mon étincelle se renforce. Elle réagit peut-être à cette porte. Si on améliorait mon pouvoir avec des gemmes d'étincelles, je pourrais peut-être l'ouvrir. Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes d'étincelles que tu as ramassées? Non, 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 c'est à moi. T'as pas le droit. Non, il dit gemmes. Et on demande pas beaucoup, hein? Tu me les redonnes après? C'est après, c'est pas gratos. Come on, guys. Je travaillais fort pour les avoir. J'ai dû détruire des cowboys. J'ai dû péter des ninjas. J'ai dû libérer des citoyens de l'emprise des méchants. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais oh my god, regardez ça, on joue à 2 FPS.
Je vais vous dire quelque chose, l'écran de chargement aurait pu être plus beau que ça. Mais bon. Oh. Ok, toi tu fous la chute, bro, what? Vous êtes qui, vous? Et comment vous avez fait pour passer par cette porte? Avec Dame Syra, on réécrit vos histoires. Vous comptez nous en empêcher, c'est ça? Eh bien, je vais vous punir avec le pouvoir de l'étincelle sombre de Dame Syra. Étincelle, étincelle sombre. Disco plume. Ouais, c'est très unique comme nom, ça. Alors, qu'est-ce que je fais, les amis? Est-ce que je peux me transformer? Ah! Ok. Ah, oh, j'ai compris. Ok, j'attends. Hey. Oh, what? Oh my Jesus, what the hell? Hey. Ok. J'ai compris comment le boss fight marche pour elle là. Allez, on y va. Wow. Wow. Tout ce qu'il a fait à le faire, c'est deux coups comme ça, d'attitude. Genki-dama! Ok! Oh, il va pondre encore des œufs. What? Ok, yo, t'abuses, frère! Je peux pas. Ça marche pas. Ok, changement de gravité, je n'ai pas peur, Martinez. Et là, des œufs. Oh my god, ok, elle change ses attaques à longueur de journée. Moi, je m'attendais tellement pas à ça, man. Ah, là, tu prends tes petits œufs de disco. D'accord, d'accord. Wouah. Nice. Yay! Yeah. J'avais pas besoin de ce cœur là, mais yay! Yeah. Hein? Tu crois vraiment que tu vas m'avoir avec ça? Je n'ai pas peur! Regarde ça! Attendez. Oh! Je voulais faire une petite pause là, mais ça marche même pas, man. Parce que je peux t'attaquer comme ça. Ah! Bra! Bra! Évidemment que ça. Oh! Pendant un instant, j'ai cru que c'est moi qui l'avais fait bondir comme ça. Pas du tout. Man. Finesse. Non! Wow! Hey yo! Ça. C'était pas assez? C'est deux boubous? Non! Oh, t'es rapide! Oh my god, j'ai manqué mon coup parce qu'elle était plus rapide que ce que je pensais, man. Changement de gravité! Oh. Si je forme mon coup, je vais passer une shot par la fenêtre. Quoi? Oh. Ha 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 ha! J'ai utilisé le Ultra Instinct. J'ai pas bougé beaucoup pour éviter son attaque. Comme un boss, bro! Et ces bonhommes-là, là, ils vont se faire détruire. Voilà, regardez ça, il y a juste une petite bouboule. Parce qu'il ne manque qu'un seul coup à donner. Je l'ai réduit en poussière. C'est pas un petit peu trop, Princess Peach? Comme, je sais que c'est un ennemi, là, mais on se calme. Oh boy! Non, mais pour vrai, ce jeu est intéressant, j'adore ça! Je m'attendais tellement pas à quelque chose comme ça, hein? Oh! L'étage est redevenu normal grâce à toi! Je ne sais même pas comment te remercier! Cela dit, on n'a toujours pas vu d'étincellistes. Je me demande où ils ont bien pu aller. Ça m'inquiète pour tout avouer. Il
puissions peut-être monter à un autre étage. Un autre étage, allons voir. J'ai mal dit ça, désolé. 5 $ de l'heure, hein? Ok, alors, ça c'est comme un monde complet qu'on a libéré. D'habitude, dans les jeux de Mario, il y a autour de quoi? 6-7 mondes, alors... Ouais, je crois que ça va me prendre autour de quoi? Puisque ça m'a pris une heure pour détruire cet étage, ça pourrait prendre 6-7 heures pour terminer le jeu, je crois que c'est ça. Mais bon, on va se laisser ici pour l'instant. On va prendre une petite pause et on continue ça la prochaine fois, si vous le voulez, bien sûr. Alors, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que c'est trop bizarre? Est-ce que vous aimez ces nouveautés? Est-ce que vous trouvez que c'est tellement unique que c'est trop crazy? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Non? En tout cas, partagez votre opinion avec moi parce que personnellement, j'adore ce jeu, man! Si vous voulez sauter dans cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, me suivre sur les réseaux sociaux. Blabla, thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!